Ah. Oh. Et il se cache beaucoup moins, lui. Hein. Ouais. Il se cache beaucoup moins. Allez, les dingueries, ça va commencer, là. C'est bon. C'est le petit spectacle. Et les petites dingueries vont commencer. Oh bah, celle-là, là, Giovanni peut aller rentrer chez sa mère. Hein. Ah la vache. Là. Ok, j'arrive. Je suis pas fou, j'ai vu un gars sauter. Ok. Je suis peut-être fou alors. T'es fou allié? Allié, je sais pas, mais fou, ouais. Mais ouais, je suis complètement à barge, ouais. Je suis complètement à deux gars, mon petit pote, moi. Par contre, on est. Enfin, on t'es traqué orange, donc. Pour moi, à l'instant, ok. Voilà, rouge, tiens. T'as des plaques de rechange, non? Non. On donne une chiotte. Est-ce qu'on serait ils pas arrivent à droite, Non, on est pas dans le. Pas possible. L'ennemi a lancé un gros. Oh non, mais quoi? J'ai craqué le mec sur moi. Ici. Y'a plus rien ici. Ah, terrible. Wow, il cheat. Il cheat. Ah, ouais, ah bah 100%. Ah bah là, mais... Ah, je veux dire, il y a zéro doute. Le mec, il me suivait à travers le mur. Ah ouais, bon, bah, alors, non, bah là... Heureusement que son pote est mort, parce que c'est l'un. Non, mais c'est son pote qui t'a ping, etc. Ah bah, c'était un niveau 25 en plus, tu penses. Je me reposerai quand je serai mort. Let's go, bien. Ah ouais, lui il s'en foutait complètement. Ah lui c'était un real is the one. Un real is the one. Bah du coup j'ai envie de le buter. Bah du coup quand tu sais qu'il y a un mec qui cheat, ça sert pas forcément à grand chose de faire ta game normale, tu vois. Vu que lui se cachait pas, tu vois, c'est pas un mec genre qui se cache un peu et tu te dis bon, lui se cachait pas du tout, donc lui il va finir sa game avec un peu de kill normalement. Avec un peu de chance, il va se faire buter, tu vois, dans le dos avec une balle de snipe ou quoi, tu vois. Ouais. Ah bah. Ah c'est lui. Bah, je pense que c'est oh lui. Là, attends, avec la falle en plus. Hein. Oh là. Ah mais ah, non mais c'est non. Ah non mais lui c'est encore pire, il a les balles guidées. Attends, mais les deux ils cheat. Non. Mais attends, mais les deux ils cheat. Oui. Il a tiré au milieu des deux et ça a touché les deux. Attends, mais regarde. Bah ouais. Non, on est tombé soit sur les balles bons, guidées, là. Soit les balles explosives, mais. Non. Il a tiré au milieu, ça a tué les deux d'un coup, quoi. Il a Wallach, Mbot, Silence Aim, il a tout. Il a la totale. Lui, il a le tiercé dans l'ordre. Il a tout ce qu'il faut, lui. Il a les chiffres de l'euro million dans l'ordre, ça c'est ouais, clair, et le numéro complémentaire aussi. Hein. Ah, il a tout ce qu'il faut, et les deux chiffres, regarde. Il a braqué la FDJ, moi je te le dis. Alors déjà, on va commencer par signaler, bien évidemment, même ouais, si ça changera pas. Attends, qu'est-ce qu'il nous fait là? Non, là, il... Ah oui, ah, il était où le gars? Mais what? Hey, c'est quand même bien, c'est que les... Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, ça sert à rien de faire la game. Définitivement, ça servait à rien de faire la game. Ils sont les deux à 10 kills. Et ils jouent ensemble, chacun de son côté. Ils se cachent pas. Hein. Ah bah là... Là, je pense qu'on va avoir un petit 10 minutes de divertissement, là. Qu'est-ce qu'ils font, là? Et ils s'en battent les couilles, hein. Mais en fait ils ont... Niveau 27 en plus, ah, et l'autre niveau 22. Tu sais quoi le plus surprenant? C'est qu'on est les seuls à les spec alors qu'ils ont 20 kills. Bah ouais, c'est trop bizarre. Alors on me dit pourquoi il est niveau 27 et qu'il a le Damas.
Tu penses bien que si le gars il achète des shits, il peut acheter des camos, hein. Tout ça, ça s'achète, hein. Ah ouais. Ah bah bien sûr. C'est un peu comme les lobbies, lobbies prestige à l'époque sur les PS3, oh, yeah. Xbox. Et là en plus, tu peux pas dire il l'a pris au sol, hein. Il vient de la prendre directement de la caisse, hein. Donc. Bon bah écoute, voyons voir un petit peu. Ah ouais. Mais t'as l'impression que. Regarde. Il y aura des kills un peu bizarres, hein. Ils savent qu'on les spec. Parce que là, la kill cam, tu peux pas te cacher, hein. Ils ouais, font des mouvements de caméra et tout. Là, ils vont être. Alors, il y a deux choses de ce que j'ai déjà observé. C'est soit ils vont faire en sorte de perdre du temps pour que nous, on s'énerve un peu et qu'on se barre. Mais vu que les autres d'ailleurs ne spéquaient plus, hein. Peut-être, ouais. Mais du coup, vu que nous. Là, parce qu'il y a des fois, on n'est pas sûr. Tu sais, on voit la kill cam, on dit comme. Je suis pas sûr qu'ils cheat. C'est pas sûr à 100%. Mais... Là, c'est sûr à 100%. Il y a. C'est à 1000% même. Mec, t'as vu comment il nous a niqué à la fin là. Il a tiré entre nous deux et il y a eu les deux têtes. Ah, attends, ouais, son pote fait des kills. Allez. Son pote fait des kills. Mais attends, mais même là, il loupe les. Non, mais comment même avec un M-bot, tu t'arrives à louper. Attends, va y voir lui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Regarde. Il perd du temps. Non, il sait qu'il y a un gars ou quoi? Alors là, il le voit. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, regarde. Il veut monter prendre l'hélico, non? Ah, il veut monter prendre l'hélico, mais il sait même pas monter ici. Ah. Ouh. Ah bah, quand t'as pas de recul sur la falle, tout de suite, ça va mieux. Hein. Pas besoin de poignée en plus, lui. Hein. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, ce con, là? Il veut monter prendre l'hélico en fait, c'est sûr à 2000%, mais il sait pas comment monter. Ah bah, c'est dommage qu'en achetant le shit, il peut pas acheter un cerveau, hein. Ça c'est un peu dommage. Oh, j'espère qu'il est piégé. Piège-moi ça. Va falloir son pote là un peu. Mais tu vois, tu sens que le gars, il sait qu'il est spec et il joue complètement différent. Tu te rends compte que le moment où il les a tués, ils avaient 10 kills chacun. Le mec, il a pas fait un là, kill ils depuis. Il en a fait que 2 en plus, ouais. Regarde. Tu vois comment ça l'emmerde, hein. Ça l'emmerde qu'on le spec. Mais tant mieux qu'on le spec, alors du coup, si ça l'emmerde, parce que ça veut dire quoi? Oh putain, non, mais décidément. C'est quoi cette malédiction des tuteurs qui se tuent en se suicidant? Mais ça se trouve, ils ont fait exprès, hein. Tu sais, ils font exprès de se suicider pour pas se faire. Ah non, il a pas fait exprès, le mec, hein. Il a très bien loupé le toit, il a pas fait exprès du tout, hein. Non, mais attends. Oula, là, voyons voir. Putain, c'est marrant, y avait un mec. Oh, mais. Bah, il a fantôme. Oh là là. Son pote se cache un peu moins quand même, hein. Son pote se cache un peu moins. Ah, mais il a l'air d'être plus intéressant là, le. Ouais. Aizmil. Parce que l'autre là, le Quick Turtle. Ah, ça y est. Ah, bah attends, mais dès que je quitte un mec, il fait mais des kills. Je fais exprès parce qu'en fait, il voit qu'il est spec. Et dès qu'il est spec, il arrête de faire des kills. En fait, faut en spec un chacun. Ouais. Faut en spec un chacun. Ah, voilà, il s'est arrêté. Ouais. Mais c'est vraiment le portrait type du mec qui cheat. C'est-à-dire que dès qu'il est spec, il s'arrête. Il s'arrête et il bouge plus. Faut vraiment qu'il retire la spec. Faut vraiment qu'il retire parce que dès que les mecs ils sont spec. Le logo à droite, c'est le pire truc, hein, genre vraiment. Combien de fois c'est arrivé? Tu vois un gars suspect. Bon, là, de toute façon, il va craquer au bout d'un moment. Il va dire: attends, j'ai mon shit, je l'ai payé, je vais l'utiliser, déjà, mon pote. Rien que no kill cam, mec. Rien que no kill cam. Non, mais il se fout de la gueule, déjà. Non, mais mec. Eh, mais attends, mais. Eh. Ah, lui, tu comprends pourquoi il cheat, hein. Il est pas aidé par la nature. Son cerveau, je pense qu'il est encore sous cellophane, il est tout neuf, hein. Il a failli se faire tuer. Lui, son cerveau, il est encore neuf, hein. Je te jure, hein. Il est sous plastique, sous cellophane, il a jamais... Il a pas été trop utilisé, ah, il a jamais servi, hein, jamais servi. Mais tu te rends compte que le gars, du moment où il nous a tués, ça fait quoi, 5 minutes? C'est son premier kill. Ça le fait chier qu'on le spec. Et donc, du coup, bah, tu le spec parce que tu dis, bah, du coup, comme ça le fait chier, tu le spec parce que... Bah, moi, il a payé pour rien, tu vois. Enfin, pas pour rien, mais limite, quoi. Non, mais mec... Je connais des mecs qui cheatent pas, qui sont meilleurs que lui. C'est pas possible. Enfin, il y a bien une raison pour laquelle ils cheatent, hein. Bah, c'est parce qu'ils sont mauvais. Mais le truc qui est...
le truc qui est sidérant, c'est que le moment où il nous bute, il prend même pas le drone amélioré. Ah. Ils ont fait 6 kills en tout depuis qu'ils nous ont buté. Ouais, alors que quand on les a tués, ils avaient 20 kills. Ouais. Tu vois bien que ça les fait un peu chier, d'être spec. Au début, surtout le Cuit Turtle, tu sentais bien que... Ah mais moi j'ai juste envie qu'il meure en fait. Ouais. Le mec il a fermé la porte comme s'il allait être à cover genre. Eh bien non. Dommage pour toi. Ah ouais. Ah ouais. Bon bah là ils vont commencer à avoir de la spec un peu. Ah mec. De toute façon c'est simple, souvent quand tu vois un mec qui joue Fall, c'est un cheater. Ça arrive beaucoup. Rappelle-toi le mec qui jouait FAMAS à l'hôpital. Ah yes, je me souviens de lui. Avec MP5. Et encore, on a vu des gens mettre des... On a vu des gens mettre des plus grosses dingueries. Hein. Ouais, clair. Là, moi je pensais vraiment... Mais tu vois, le Haze 1000, il a l'air d'y aller un peu plus, mais... Ils font exprès, j'ai l'impression. Les cheaters qui ont toujours été sans retenue quand je les ai regardés, c'était les mecs qui jouaient car à la mire. Parce que les mecs qui prennent ça juste pour flex en fait, un maximum de quickscope, trucs comme ça, tu vois. Et du coup, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de spec des cheaters qui jouaient car à la mire, mais eux ils ont vraiment, mais alors vraiment aucun scrupule. Hein. Mais ils ont aucune honte, ils se cachent pas, mais ils tant font mieux. Des games à 40 kills. Je veux dire, ouais. Le pire c'est vraiment les. Pardonnez-moi l'expression, c'est pas mon habitude de dire des gros mots, mais le pire, c'est vraiment les salopes qui cheatent, mais qui veulent se cacher un peu, tu vois. Qui font semblant ouais, qu'ils cheatent pas. Ouais, faire comme si c'était des joueurs normaux, quoi. Ouais, ça, voilà. C'est vraiment les pires, ça, c'est vraiment les plus grosses salopes. Toi, le mec, il se cache pas, tu dis bon. Ouais, bah, bon, bah le Quirky Turtle, là, il a full info sur tout le monde, là, actuellement. Il a rush le toit en voulant mettre un silence de mort, hein, quand même. J'aimerais qu'il meure quand même. Hein. Ouais, le mec il paralyse et tout, gros. Ça me fume. Mais là, mais le mec il para, il est en silence de mort alors que le mec il sait déjà où ils sont et tout. Mais là, okay. Non, mais sérieux. Genre, le mec limite il va te mettre des petits coups de capteur, il va te mettre le drone, c'est. Ouais. À quoi ça sert? Oh! Oh! Chet! Ouais, regarde, tu vois comment les gars ils sont quand même nuls, hein. Ils sont pétés de pognon, il y a même pas une autoréa qui est prise, ils s'en foutent complètement. Et puis aussi tu vois que dès qu'ils ont envie de faire des kills, ils en font parce que là d'un coup ils ont quasiment fait doublé voire triplé le nombre de kills depuis le début qu'on les spec quoi. Non mais là en fait c'était un petit peu au début, ils étaient spec, ils disaient ah fais chier etc. Mais en plus sur la kill cam, il y a pas un moment où tu peux pas dire que le mec il cheat pas quoi, je veux dire. Ah oui, non mais autant des fois il y a des mecs c'est un petit peu genre t'es pas sûr donc tu regardes, le mec il joue un peu au con, il attend 5 minutes, il fait 6, tu dis bon. Ah. Oh. Et il se cache beaucoup moins lui. Hein. Il se cache beaucoup moins. Allez, les dingueries, ça va commencer là. C'est bon, c'est le petit spectacle. Et les petites dingueries vont commencer. Oh bah, c'est là la Giovanni peut rentrer chez sa mère. Hein. Ah la vache! Ah ouais! Et souvent c'est ça, hein. ils tiennent pas 5 minutes. Hein. Ouais, voilà. Ah putain, alors. Lui, je veux dire, il le rentabilise son shit. Hein. Ouais. Il dit, moi, franchement, tu vois, il m'a coûté un petit peu. Je me demande comment il doit être devant son PC, tu vois. Genre vraiment en mode full com, full info. Ouais, y'a un mec là-bas. Je sais pas, genre, oh putain, à terre, go push, tu vois. Genre, je sais pas comment il doit être devant son PC, genre, j'aimerais bien savoir. Difficile à dire. Ah bah oui, ça c'est difficile à dire, ça, je me doute bien, mais... Drôle. Surtout que ils ont aucune autoréa, donc... Y a un mec qui le snipe à droite. C'est là... De toute façon, tu sens que vraiment, les gars, c'est des abrutis. Hein. Ça se voit joli comme ça, parce que forcément, tu dis, putain, comme c'est, quand t'as l'habitude de voir le jeu, c'est impressionnant de voir des gars qui ont... Ah voilà, oh bah. Mais c'était sûr, mais c'était 100% sûr en plus, c'est ça que je comprends pas à un seul moment. Et le mec il décide de mettre son drone. Oh le rigolo. Le mec il a... Voilà, mais il met un drone. Il se fout de la gueule du monde sans blague. Ah mais l'autre il est... Ah il est mort, ouais bah il avait même pas... Attends, c'est-à-dire quoi? Il avait déjà eu son goulag en plus. C'est que c'est même pas la première fois qu'il meurt.
C'est ça le pire. Attends, attends. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, non, mais mec. Oh, dommage, il meurt pas à nouveau. La game est terminée là. Là, là, eux ils vont la gagner. S'il a. Il a pas. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, ouais. Ce qui représente réellement le plus gros problème en fait du jeu, c'est que plus d'un an après sa sortie, et malgré les millions et les millions et les millions de dollars qu'ils vont faire, il n'y a toujours pas d'anti-cheat. Et tu dirais, tiens, nouvelle saison, mise à jour, etc. Ils jouent un peu avec les codes, histoire que ça soit plus trop compatible. Je sais pas comment ça marche. J'ai aucune idée comment ça marche. Mais il n'y a rien, absolument rien qui est fait. C'est une honte. Et toujours pas d'autoréa. Non mais le mec, il est pété de pognon, il y a toujours pas une autoréa. Non mais ça te montre bien que les mecs ne savent pas jouer. Mais ils s'en battent les couilles, hein. Même par rapport au drone ou quoi, genre ça leur apporte que dalle. Des fois ils le mettent juste pour faire bonne conscience ou pour les mecs qui les regardent. Mais sinon en vrai, le drone il sert à rien, l'autoréa elle sert à rien. En théorie, si le mec. Bah l'autoréa si, parce que l'autre quand il est mort, il a eu l'autoréa, il s'autoréa, machin, ouais, etc. Ok, mais le mec il est mort pourquoi? Parce qu'il a piqué comme un débile, tu vois. Genre mais le mec qui vise au sniper, on l'avait vu nous juste avant. Genre dans sa caméra, c'était prévisible, je veux dire tout le monde se fait tuer à ce moment là. Mais le truc c'est que si tu joues un minimum bien l'autoréa, franchement bah oui elle peut servir de temps en temps si tu fais une petite bourde quoi. Mais si vraiment tu fais aucune erreur mec, franchement après faire aucune erreur. Mais regarde, il tire même pas sur le gars, c'est quand même plus simple. Il tire même pas dessus, il tire juste à côté quoi. Alors pour expliquer un petit peu pour ceux qui savent pas, ça c'est le silent aim. Silent aim ça veut dire que c'est en gros des balles à tête chercheuse. T'as juste à tirer à proximité du gars et les balles elles vont aller sur lui. Donc c'est pour ça que tout à l'heure il nous a tué, il a tiré entre nous deux, les balles ça allait dans les deux têtes, c'était bon, c'est suffisant. Mais c'est là où tu fais la différence entre un mec qui utilise son cerveau et l'autre pas. Parce que tu sens que dans les déplacements, c'est pas non plus des noobs à 100%, tu vois. Ils ont quand même un petit Ah voilà. Comment c'est possible que même avec un aimbot, voilà, qui est silent aim et tout, il arrive à louper des trucs comme ça. Les mecs en face ils vont dire mais c'est quoi ce gars là, c'est le meilleur joueur du monde. Ah, allez voir l'autre Ezmin là qui. Oh. Et donc tu sens que dans les déplacements c'est des joueurs qui connaissent le jeu, tu vois. C'est pas la Warzone, ça fait un moment qu'ils y jouent. Mais tu sens que c'est des abrutis. Pas par le fait qu'ils cheatent, parce que bon, ça va rien l'air, mais par le fait que tu vois, ils pensent même pas à prendre une autoréa alors que les gars ils sont pétés de pognon et ils jouent pas ensemble, tu vois. Ça peut leur sauver, mais qu'est-ce que tu veux? Après, la question c'est, est-ce que tu penses que c'est deux personnes qui ont lancé en comblé et qui, comme par hasard, sont tombées sur deux cheaters, ou est-ce que c'est des mates? C'est vraiment des mates. Bon, t'imagines les probabilités pour que ça deux mecs... Ça serait quand même, ouais grave, lancer un duo comblé et... oh bah tu vois, en salut plus, mec. Des cheats, il en existe plein et tout le monde les utilise pas de la même façon. Là, tu sens qu'ils ont vraiment le même style de jeu, tu vois. Attention, il y en a un qui va mourir. Tu sens qu'il... Et c'est vraiment le problème fondamental, hein, c'est toujours pas anti-cheat. Toujours pas anti-cheat. Non mais en fait depuis ça fait un an et demi que le jeu existe et t'as les mêmes problèmes quoi, que ça soit par rapport au cheat ou même par rapport à des optimisations de jeu ou même certains bugs tu vois qui reviennent en récurrence ou... Enfin c'est ouf genre quand même d'être un jeu avec une telle ampleur, un tel succès et au final même 100% parler du cheat qui est déjà abusé mais... Les bugs du stimulant, les bugs aussi des dev errors, t'as plein de problèmes comme ça qui existent depuis tellement de temps et qui au final sont pas corrigés quoi, c'est frustrant quand t'as... Ah non, mais hier encore, tu vois, ça m'arrive, le PC qui crash, dev errors, le jeu il crash, etc. C'est... Bien sûr. Parce que encore il y aurait qu'un seul problème depuis un an, tu vois, tu te dis bon bah peut-être qu'ils essaient de régler le problème, ils arrivent pas à trouver de solution, on sait pas, tu vois, des fois t'as des problèmes, c'est dur à régler en tant que développeur, etc. Mais là le truc c'est que vraiment, t'en as pas que un de problème, t'en as plein. Et là, c'est là où tu te dis mais en fait ils ont juste rien à branler quoi, genre littéralement. Je pense que c'est pas si simple, mais qu'ils mettent pas non plus toute leur force dedans non plus. Ah. Oui, je pense, parce qu'en vrai, t'as quand même des exemples autour de jeux vidéo qui mettent des anti-cheats, etc. Et on sait bien comment ça marche, genre tout le monde s'inspire de tout. Attends, monde. C'était déjà la fin de la game là? T'as vu la taille de la zone? Bah, en même temps, c'est normal, hein, ils ont slay le lobby. Hein.
Ils ont oh putain deux, non, plus, là tu sens que ça va insulter tes darons à la fin. Holy shit, you fucking cheap bitches. Still can't even get a fucking 30, you fucking bums. Fucking... You're fucking terrible. Il parle en plus le gars. Terrible people. Easy, get busy. Invest. Ouais, le mec, eh, franchement, il était magnifique son com le gars. Tu cheat mais tu peux même pas faire un 30 kills. Il l'a taillé en deux. Non mais en vrai, mec, tu cheat comme ça, t'es même pas capable de faire 30 kills sans blague quoi. Mais le truc derrière ça, tu dis la mentalité. Comment les gens ils venaient à cheater comme ça? Parce que il y a les gens qui se cachent absolument pas. Et donc, en gros, c'est en mode, c'est comme sur GTA, tu fais les codes pour avoir toutes les armes, etc. Tu t'amuses un petit peu, mais c'est pas le genre de truc que tu dois faire tous les jours, parce que bon, non, tu dois te lasser, tu vois, c'est vraiment... Et le pire, c'est les gens qui se cachent pas. Il y en a énormément, et c'est de plus en plus. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est pour répondre à tous les gens qui nous traitent de parano, des mecs qui cheatent comme ça, il y en a toutes les games. Il y en a qui sont très mauvais, parce que eux, tu sentais qu'ils cheataient, mais ils étaient même pas si bons que ça, tu vois. Ils avaient un peu la mécanique Call of, mais sans être trop bons, parce que tu sentais que bon, les mecs, ils prennent pas d'autoria ou ci ou ça. C'est des basiques, tu vois, t'as plein de pognon, tu le prends, tu sais jamais. Pour le coup, ça leur a pas fait défaut, mais imagine le gars sur le toit, il s'est fait buter, l'autre, il se fait buter, ils auraient pu perdre comme ça. Donc tu sens que les gars, ils sont un peu cons, mais ils connaissent un petit peu le jeu. T'as vraiment le mec qui va cheater parce qu'il est extrêmement mauvais, et même là-dedans, il va pas faire de mal. Mais t'as des gens qui vont se cacher beaucoup, dès que tu les specs. Combien de fois c'est arrivé que tu vois un mec suspect et que t'es là comme ça et tu le regardes et le mec il joue au con. Eux ils ont joué au con au début, tu vois. Et il bouge pas pendant 30 secondes et si et ça. Puis après tu dis ouais, mec, il cheat pas, vas-y, il m'a saoulé, je me barre. Et hop, après il continue à cheater. Faut vraiment qu'il retire cette petite indice que les mecs sont spec, parce que dès que les mecs sont spec, ils jouent différemment. Et s'il y a des gars qui cheat et qui savent qu'ils sont spec, ils vont jouer différemment. Et ça, c'est constamment. Et surtout. Toutes les fois, on n'a même pas la killcam. On n'a même pas la killcam, donc on saurait même pas dire si le gars... Tu dis... Bon, il y a des fois, je sais qu'on se fait tuer par un gars, on dit « Putain, mais c'est sûr, il cheat, comment il savait que j'étais là ? Le mec, il m'a mis full tête, etc. » T'as juste des mecs qui sont bons. Ah, vraiment, t'as juste des mecs qui sont bons. Mais bah, t'as pas tout le temps la killcam, donc des fois, tu pourrais même pas voir vraiment que le gars, il cheat alors qu'il le cheat. Et... Mais au-delà de ça, de toute façon, c'est l'anti-cheat qu'il faut. C'est vraiment l'anti-cheat. Hein. Il faut... Et encore, tu te rends compte que cette game-là... On est tombé dedans parce que j'ai relancé juste avant parce qu'on est tombé sur un joueur bloqué. Parce que le truc qu'il faut faire vraiment, c'est bah, quand tu vois un mec qui cheat, tu vas là-dedans, bah, il est là juste en plus, et tu le bloques. Signaler, c'est bien, mais tu sais que le gars, il va se faire ban son compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il en recrée un juste après. Tu vois, il y a juste des bans de compte. Donc finalement, de toute façon, tu vois, niveau 27, le gars, c'est pas son premier compte, c'est pas la première fois qu'il se fait bannir, et hop, il y retourne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le meilleur truc à faire, c'est les bloquer. Parce que dès que tu vas lancer une game, bah automatiquement il va te dire « Ah, il y a un joueur bloqué dans la game ». Donc bah là, tu te barres quoi. Voilà, donc bon, encore une fois, des cheaters, toujours des cheaters, voilà, des cheaters, il n'y a que ça. Et... Parti jouant 2021. Ouais, ouais, non, mais bon, y a... toutes les games, par rapport aux stats qui ont été faits, logiquement, toutes les games, tu as des cheaters. En tout cas, comme il y a le SBMM, automatiquement, bah, plus tu as un niveau élevé, plus tu auras tendance à croiser des cheaters. C'est vrai qu'il y a des mecs qui ont des niveaux complètement bas, ils ont moins de risques d'en trouver. Donc, bah, nous, comme on joue souvent, on fait beaucoup de games, etc., on a beaucoup plus de risques d'en trouver. Alors, il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, moi, je désactive le crossplay, je suis sur console, j'ai moins de cheaters. » C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Parce que même sur console, il y en a. Il y en a moins, mais il y en a. Et il y a aussi les autres cheats. C'est-à-dire que tous les sous-merdes, là, tu sais, qui ont leurs appareils anti-recul, les Cronus, les machins, les trucs, que tu branches et qui te permettent d'avoir aucun recul ou des Spitfire, ou... ça, c'est du shit aussi. Il ne faut pas croire parce que tu utilises ça que ce n'est pas du shit. C'est du shit aussi. Je ne sais pas si c'est détectable ou pas et bannissable, mais ça reste du shit. Et c'est ça le problème fondamental, c'est que quand tu joues, tu es parano parce que tu ne sais jamais si le gars en face de toi, il est juste bon ou il shit. Et derrière, tu ne joues pas tranquillement. Je serais vraiment curieux vraiment de faire des games en ayant la garantie et l'assurance que 100% des gens qui sont dans l'accueil avec toi, c'est clean, tu vois. Et ça, je suis sûr que ça doit être tellement différent. En espérant qu'il y ait quelque chose... Parce qu'à chaque fois, il y a des vagues de... Combien de cheaters ils ont banni au total? On a dû arriver au million, là, depuis longtemps, non? Parce qu'il y avait un moment où ils parlaient d'un demi-million de cheaters qui avaient été ban. Donc, il y a plus d'un demi-million de cheaters qui ont été ban. Ouais. Donc, bon, là-dedans, il y en a beaucoup, c'est les mêmes, tu vois, ils ont recréé des comptes, ils se sont fait bannir, etc. Je crois qu'ils avaient parlé d'un truc, quand le mec, ça fait 3 ou 4 fois qu'il se fait bannir, il y a un ban définitif de l'IP, je sais pas trop comment ils font,
Parce qu'après, ça dépend des règles des pays. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, tu devrais faire le ban IP. Mais il y a des pays sur lesquels c'est pas autorisé. Et il y a des pays sur lesquels également, bah, l'IP, tu peux le changer. Tu prends un VPN, etc. Tu changes ton IP, tu vois. Donc, techniquement, le ban IP, c'est vraiment pas une solution parce que c'est très facilement contournable. Ban matériel, c'est-à-dire bannir une carte mère, je crois, ou bannir un truc comme ça, c'est beaucoup plus contraignant. Mais est-ce que c'est légal dans tous les pays? Je ne sais pas. Donc, les autres rumeurs, c'était que... Et c'est aussi farfelu et fou que ça puisse paraître, c'est que ça soit Activision directement qui vendent les shit aussi pour se faire un max de pognon. Ça serait quand même vachement abusé. Bon, techniquement, c'est les développeurs qui vendent les codes aux sociétés de shit et qui doivent se faire un pognon monstre avec ça. Il doit y avoir une mafia derrière le shit et les jeux vidéo, c'est insane. Et on n'est pas au courant de tout, je pense. Et je pense que là. Et je pense qu'on peut dire heureusement. Heureusement. Je pense que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, c'est juste la partie visible de l'iceberg. DGR, il doit y avoir tellement plus de gens qui cheatent. Et parce qu'après, il y a des cheats qui sont quasiment indétectables. Et que même toi, si t'as un excellent joueur, un joueur de ouf, mais le mec, il prend un petit M-Lock, un petit truc, vraiment un truc, il est tellement bon que ça se détecte pas, mais ça rend un mec qui est tellement bon un dieu, quoi. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui... je suis sûr qu'il y en a qui le font. Je dirais pas plein, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui le font. Et je pense qu'on sait pas tout, et heureusement, mais en vrai, c'est un joyeux bordel, et ça gâche l'expérience de jeu. Il y a aucun jeu populaire, de toute façon, qui a un anti-cheat suffisamment bon pour avoir 0% de cheaters. Mais entre ça et Warzone, je pense qu'il y a un juste milieu qu'on pourrait obtenir, vraiment. Je pense là-dessus, ouais, je pense qu'on pourrait avoir un juste milieu, que ça serait pas du luxe. Il y a pas mal de jeux qui sont pourris par les cheaters et que finalement, bah, tous les joueurs normaux l'ont déserté, il reste plus que ça. C'est peut-être ce qui pourrait se passer avec Warzone à un moment donné, parce que il y a un moment où on se disait, ils vont peut-être faire un truc. Là, je pense qu'il faut être réaliste. L'anti-cheat sur Warzone n'arrivera jamais. Là, je pense que le jeu mourra avant, réellement.